Première touche, il n'y a rien. Ouais, mais attends. Ça tire un peu en arrière. J'espère que c'est pas un père américain. Ça a l'air lourd. Prends le sabre. Oh, mon Dieu, il me tue. Non, je l'ai recalé, mais j'ai mis les perles. C'est sous la canne, fielas. Ah putain. Ah mon vieux. Sans déconner. Ah, j'ai mis les perles lumineuses. Ah, un fielas. Con de ses os. Ah, il y a les perles qui dépassent. Ah. Putain. Oh, mais ils me suivent partout, c'est pas possible ces filles-là, ça la colle. En plus, on dirait que tiens, un machin, il fait 10 kilos. Oh, là-bas, il est descendu, mon truc. Bon, vous l'avez deviné, la digue, c'est pas encore ça. Donc zéro touche, à part une fielasse, super capot. Et là, on est dans un autre spot. Là, il y a mes deux frères. On est arrivé vers les 15h30. Il est à peu près 18 ou 19h à peu près. Ils sont en 18h plutôt. Et toujours pas de touche. On a calé du bibi, de la dure et moi de la sardine. Il y a un gros vent d'est, il doit être à 60. Mais là, on est un peu à l'abri, on a le vent d'est dans le dos. Voilà, on va voir ce que ça donne. Il y a une torpille, ça, ça t'appuie le jus, ça. Quoi, c'est dangereux ? Eh ouais, c'est dangereux. Ouais, il est électricien. Tu veux charger un batterie ? Enlève le fusible. Oh putain. Eh, la bouche. Ouais, ça me va, il va. Non, mais t'as l'ambert, toucheur. Elle va se tourner. Tourne là avec le, la, là, le cul. Vas-y, à la bâche, il y a le courant dessus, Fada. Eh, quel courant, là, oh, Fada. Elle va se tourner. Ah, c'est... Ouais, allez, elle va tourner. Allez. Ah, pêcheur.
C'est clair, t'as une fois qu'elle a pris la profondeur, elle va y aller. Ah, oh, oui, il y a une chasse. Oui. Toi, t'as vu. Putain, mais c'est café d'aiguille. Tu mets un trident au milieu, là, sur la dorsale. Ah, je ne pas, moi, je pêche comme ça, je pêche pas avec l'aiguille. T'as vu? Pour coudre, pour faire des tricots. Comme tu sais pas pêcher, tu fais des tricots avec. Parfois, c'est pour qu'attrape le poisson. T'as pas ça un poisson, toi? Pas les merdes, parfois. Ah ouais, ça est belle, elle brille, hein. Ouais, c'est une belle aiguille. Parfois. Y'a rien, c'est un truc de fou. Eh, qui donne des coups comme ça? Ah, comme elle est déchicotée la sardine. Eh? C'est pas une filasse, hein. Putain, hein. C'est rien, c'est les avions russes. Quand tu veux. Bon, ça y est. De retour sur une de vos plages favorites. Alors aujourd'hui, on dirait une fin d'été tellement il fait bon, de faire 19-20 degrés. Voilà, je suis avec mes frères, la mer elle est calme, il n'y a pas un brin de vent. La mer elle est un peu haute, elle n'est pas trop basse. Alors on va essayer, on a calé évidemment à la dorade. Et ce soir, on va voir s'il y a un peu du calamar qui traîne. Ah, le manche, Michel! Le manche! Sûr que c'est gros. Bon, il est vite tordu le truc là. C'est comme normal qu'il soit comme ça. Ah ouais, une dorade. Ah, pas le salabre quand même. Putain, heureusement que je suis là pour la salabrer. Oh, elle est belle! Ouais, ouais, elle est belle, je te dis, elles y sont. Ah. C'est du sable. C'est du col joli. Ah, elle fait au moins 2,5 kg, ça va. Envoyer le truc en l'air, t'as pas vu? Ils sont rentrés tôt hein, cette année. Ça rentre tôt cette année. Ah, il n'est pas non plus, hein. Largement portionné. C'est 450 grammes. Ouais, mais un nouveau gramme. Je sais pas ce que c'est, mais ça gigote là-dessous. Ouais. Hey, t'as pas une roumagnole?
T'es sur le banc. Avec des anchois. Ah ouais, parce que tu les piques pas. Nous sommes derrière, là tu me vois l'odeur. De partout il y a des cabassons. Mais il n'y a pas un prédateur derrière. Ils viennent carrément devant la plage. Le seul loup que j'ai pris là, c'est, tu te rappelles comment c'était avant? C'était pas comme ça. Il y avait un genre de rocher là, il n'y avait pas la plage. Est-ce que tu te rappelles? Non. Il y avait un filet. Calamar. Quoi? On aura tout vu, hein. Une autre. Oh, bravo! Quel pêcheur alors! Ça, c'est une prise! On dirait la touffe à Mauricette! Congelé, regarde! Il n'y a plus rien! N'arrête pas de mouliner doucement! Tiens, on dirait que c'est la première fois qu'il pêche! C'est un monstre! Hein. Un monstre! Oui, bien sûr. Depuis tout à l'heure, il était, je savais, il y avait un petit rappel là. Ouais, je suis obligé de prendre des salabres sur la plage. Sans déconner. Voler. Mais c'est obligé, comme tu fais. C'est obligé. C'est obligé. Il faut garder une tension et mouliner doucement. Là, elle est trop tendue. Relâche du mou. Elle va repartir. Laisse bien du mou. C'est beau, hein. Et moi, je sens le gaz, moi. Et quoi? J'ai mis un bibi congelé aussi. Ouais, petit sort. Voilà. Au vert, elle a perdu. J'ai vu qu'elle a tremblé, qu'elle est devenue rouge. Il y est toujours, pas ça. Mais pour le calamar. Le plomb, il est dans la première barrière. Putain, elle est partie de moins de 3 mètres. Bon, là ça fait bien 2 heures qu'on essaye de la sortir. Hop, là le fil est en train de partir. Eh ouais. Elle a tombé en butée. Dès que la canne plie, elle plie.